Bonjour à tous. Alors, oh, pardon Mimo, je l'ai tapé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais manger pendant 24 heures. Putain, j'ai une tête. Oh hey, attendez, on s'est levé il y a genre même pas. Oh. T'as une... Non. C'est pas grave. J'ai les yeux. Mais moi aussi, regarde, ma tête, elle est horrible. Bon allez, allez, c'est pas grave. Ah, oh non Mimo. C'est pour des followers. Je vais manger pendant 24 heures savoyard. Je suis trop content. Par contre. Le matin, bah on va à la boulangerie, on va voir ce qu'il y a. Je vais peut-être prendre un truc s'il y a des trucs à la myrtille, parce qu'ici ils mangent beaucoup de myrtille, de miel, tout ça. Donc le matin, je sais pas trop s'il y a des spécialités. S'il y a des savoyards qui regardent mes vidéos, bah dites-le moi en commentaire. Il y a la queue pour aller à la boulangerie, non mais. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a des spécialités de Savoie. Non en vrai j'ai hâte parce qu'elle a pris un truc qui a l'air un peu appétissant. De mais bon matin fatos. Ça a l'air un peu fatos. Ah ouais c'est fatos mais les c'est gars. Est-ce qu'on irait pas acheter des sacs poubelles? On va acheter des sacs poubelles. J'ai pris une croix de Savoie les amis. Brioche, crème pâtissière, confiture. Je sais pas si c'est une spécialité d'ici, hein, mais en tout cas ça s'appelle la croix de Savoie, donc c'est cool. Ça a l'air trop. Ça a l'air ouf. Ma partie pas trop cuite. Hein. Ouais. Ça c'est ma partie préférée, Polo. Moi aussi. J'ai du bacon. Ouais. J'ai du bacon. Ouais, de ouf. Grave. Alors. Là j'ai pris, y'a rien dessus. Oh. Mmh. Une brioche fondante. Oh. Oh la vache. T'as eu tout là? Ouais. C'est incroyable. Je dois absolument goûter. C'est voilà. Excellent. C'est incroyable. Mais la brioche, elle est incroyable. C'est mon truc préféré. Ah ouais. Ah mais toi t'es pas très brioche, Polo. Oh. La crème pâtissière. Bah en fait c'est mélangé je crois dans tout ça. Je pense qu'il y a un peu. La brioche elle est fondante de là. Fondante de là. C'est ouf parce que tu sais je m'attends à une texture pain au chocolat croissant. Oui. Mais c'est une brioche. Oui. Mais oui. Moi aussi je pensais que c'était feuilleté tu vois. J'aime pas les petits grains dans la confiture. Moi j'aime pas les petits grains dans la confiture. Mais franchement c'est très bon. Mais c'est la confiture tu vois. C'est vraiment les grains de la confiture me dérangent, tu vois. Wow. Mais c'est framboise ou fraise? C'est framboise ça. Fraise. Hein? Pour moi, c'est fraise. Ma mère, elle m'en achetait tout le temps quand j'étais petite. Ça là. Bon, c'est pas savoyard, mais comme vous le savez, je triche toujours. Mais en fait, ils font ça avec des pains au chocolat rassis. Ça, je suis moins fan. À Paris, ils sont meilleurs, je trouve. Sans offenser la Savoie. Je peux goûter. Bien sûr, mon petit Polo. Mimo! Polo! Salut! Oh! Oui! Oh bah, oh bah alors là! C'est mon plus beau! En direct! Ah, je suis trop contente! Quand te reverrai-je! Pays merveilleux! Est-ce que vous aimez le ski? Vous êtes plutôt ski ou snowboard? Ski ou snowboard? En commentaire, regardez! Il y a tellement pas de neige! On s'est arrêté en haut des pistes pour manger et en fait bah là où on s'est arrêté il n'y a pas forcément de spécialité savoyarde. En fait c'est une crêperie. Du coup j'ai pris une galette au reblochon. Je me dis bon, petite piqûre de rappel pour la Savoie. Ce soir de toute façon je fais fondue et raclette donc c'est parfait. J'ai pris une crêpe reblochon et en fait normalement il y avait du jambon dedans. J'ai demandé s'ils pouvaient me le remplacer avec un œuf. Il m'en a mis trois. Donc bon bah je suis bien. En plus ils m'ont dit ouais je suis pas sûre et tout. Et au final bah j'ai eu mes 3 œufs. Ouais, ils sont super bien cuits, j'adore comme ça. Ouais. Tu sais y a pas de gouillon. Mmh. Elle est fatos hein. Mmh. Bah elle est bonne hein. Franchement ouais. Mmh. Mimo elle a pris burger reblochon. Tiens, je te donne un bout, il y a du reblochon au niveau. Vas-y, moi c'est le fromage. Ah ouais. Tiens. Oh, les œufs là, je les apprécie de ouf. Ils sont cuits parfaitement. Mmh. Je sens le reblochon. Moi je sens plus les mentales que le reblochon. Ah ouais, ouais. Bon, en tout cas, moi j'adore, je suis en plein kiff. Bon, c'est pas savoyard, mais. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des followers qui viennent de Savoie? Mmh. Voilà. Polo, elle a pris la biquette. Ouais, trop bonne. Il y a du miel. Chèvre miel.
Ah, moi je me régale. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de ce burger? C'est un burger. Ah ouais, il a rien d'exceptionnel, mais il est pas mauvais, tu vois. Howard, c'est mieux. Ouais. Alors en dessert, nous avons pris la tarte myrtille. Voilà. Il mange beaucoup plus des tartes myrtilles l'été, de ce que j'ai lu sur internet. En fait, ils les récoltent, ils font leurs petites tartes. Et voilà. Mimo veut être la première à goûter la tarte. Oui, parce que regardez, on dirait du chocolat. Tu peux voir ou pas? Ouais. C'est bon. Dans le gosier. C'est typiquement ce que j'aime pas trop. Ah ouais? Bah moi, bah, je suis pas myrtille. Moi, je vous avoue, je suis pas fan de myrtille. Alors? C'est bon? Je sens littéralement aucun goût. Ouais, du rien. À mon avis, ça doit être des myrtilles congelées, je pense. Elle a aucun goût? De ouf. Je suis tellement déçue. Mais tellement déçue. Crêpe Nutella. J'aurais dû prendre ça. Regarde. Ouais, c'est vrai. Pas fan. Franchement, moi, le dessert, c'est tellement sacré que là... Tu restes sur ta faim. Là, je reste sur ma faim, quoi. Heureusement qu'on a un Twix. Elle est sèche. Ouais, elle est sèche. La crème pâtissière, elle est pas sucrée. On ne conseille pas. On ne recommande pas. C'est ce clos. Elle en fait l'eau. Je suis trop contente. Je finis par un Twix. Elle m'a trop écœurée la tarte. J'ai pas du tout kiffé. Par contre, je commence à être jalouse. Hein. Vous aimez trop Mimo. Mettez des commentaires sur moi là. Soyez gentil. D'ailleurs, Martine, on la voit plus. Martine, on lui a fait une dédicace. Elle était plus là. Hein. Soyez les commentaires, Martine. Eh. Oh. Genre des gens qui se battent dans mes dédicace DM sur Insta. Soline. Attends. Dédicace Soline. Mais moi, Lily. Engal. Oh, il lance de la volée, ça fait trop longtemps. Engal. Ah, mais on peut faire une dédicace. À qui? À Tonito. À Tonito. Une dédicace à Tonito. Alors, Tonito, il a intérêt à mettre un commentaire sur ma vidéo, je te le dis. Ouais, je suis pas de commentaire, Tonito. Un like, un commentaire, un abonnement. On te signale, on te supprime, on te bloque. On va tâter la neige là? On va tâter. Vas-y, moi je fais un pipi, on y va. Je peux te mordre? Non. S'il te plaît. Non. Je les prends, je les mords. On vient de rentrer de notre session ski, c'était trop bien, j'ai passé une trop bonne journée, vraiment, genre j'ai trop kiffé. Là j'ai fait que des pistes débutantes, du coup bah en fait je kiffe plus. Parce que bah en fait plus tu fais et plus t'y arrives finalement. Today, pas de goûter, vraiment ce que j'ai mangé ce midi ça m'est resté sur le ventre, genre j'ai pas faim, mais j'ai pas envie de me forcer. Donc du coup pas de goûter, je me réserve pour ce soir, il y a fondue raclette. Du coup on se dit à ce soir pour la raclette, la fondue, ça va être incroyable. Nous allons manger au resto savoyard, ça s'appelle le terroir savoyard. On va se péter le bide, voilà, avec notre ami la vache. C'est parfait. Voilà, c'est la première fois. Là, si vous voulez, je la branche, elle est juste là. C'est un travail d'équipe. Allez, elle marche la caméra. Eh ouais. Tu as le chaud. Ça a l'air bon. Elle a vu. Fondue. Ah, c'est trop bon. Vas-y, je vais faire film de plus. Vas-y, je filme. Alors pour nous, la fondue, trop bonne. Franchement, hein. C'est une des meilleures que j'ai mangées. C'est vrai? Goûte cette fondue. C'est bon, hein? Dis-moi, tu manges la raguette? Alors sachez que nous on mange pas de viande, du coup on a pris des petits légumes. Oh, c'est incroyable. Avec les poivrons et tout là, c'est incroyable. Ah, le fromage. Il
Milo. Milo, ouais. Ils savent pas tout ce qu'on a mangé. Mais si, ils savent. Oh, ils ont pas tout. J'ai pas pris de dessert. Parce que je peux plus, je vais vomir, je vous jure, je vais vomir. Mais je vais goûter, je vais goûter dans leur... Oh, ça a l'air incroyable. Il a l'air pourtant il est incroyable. Oh, je veux goûter ce toi, c'est ton mood. C'est mon mood. C'est toi qui aimes bien beaucoup de... Des crèmes, ouais. Ouais. C'est ton délire. Mais il est très bon. Je vais le bouffer. Maman, si tu regardes cette vidéo, j'ai pris une grosse cuillère. Ah, la tarte est trop bonne. Ah ouais, la crème elle est ouf. Franchement la tarte tatin c'était pas le dessert que j'aimais le plus avant. Franchement le tiramisu il est incroyable. Il est incre. La crème elle est folle. C'est fou hein. Regardez-moi cette cream. Alors je termine cette vidéo le lendemain et je mange les restes de l'aligot. L'aligot, c'est ça? Non, c'est pas l'aligot. C'est de la fondue. De la fondue. C'est un peu dur hein, de finir ça quand même. Hein. Mais c'est super bon. Voilà. Je devrais prendre des viandes sur vous ou... Bah non. Bah si. Bah non, je finis les restes. Et pensez quoi du resto d'hier les filles? C'est pas beaucoup mais en fait on a pas... Ouais, on a pris. En fait, on a fait raclette, fondue. Mais vous avez pensé, enfin, vous avez trouvé ça bon Ouais, c'était trop bon. C'était bon, hein. Les serveurs, enfin, serveur, patron, je sais pas qui c'était, mais super gentil. Moi, vraiment. Je pense que c'était un serveur. Et les desserts. Oh, incroyable. Du coup, je vous ai filmé avec mon iPhone parce qu'en fait, ma caméra, elle a grave bugué hier soir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ma caméra, elle marchait plus. Elle s'éteignait, elle se rallumait, elle s'éteignait, elle se rallumait. Bon, voilà. On a payé 28,50€ chacun. Tu sais combien les tomates cerises au sport? Les poivrons étaient incroyables. Combien? Donne-moi une tomate cerise, s'il te plaît. Tu sais combien? Tu dirais combien au sport? Je dirais 4€. On doit 1,50€. Mais non. On était sur le cul. Putain. Du genre. Elles sont bonnes ou non, toi? Bah en vrai, j'en ai mangé une, ça allait. Tomate cerise, elle est énorme. C'est des tomates cerises allongées, je crois. Big up au monsieur qui nous a servi hier. Si tu vois cette vidéo, on pense à toi. J'avoue, on connaît pas son nom, il était trop gentil. Il était hyper gentil. Ah bah petit loup. Bon, j'ai un peu triché sur le midi parce que j'ai mangé une crêpe avec du reblochon. Donc c'est pas vraiment savoyard, c'est plus breton. La Bretonne qu'elle a. Papolo, mimo, mimo. C'était hyper bon. Franchement, pour ce que c'était hyper abordable. Ouais, franchement, de ouf. Genre, on a pu ramener ce qui restait à la maison, donc ça c'est hyper cool. Ouais. Avec notre assiette. Ouais, mais c'est cool en vrai qu'ils disent bah vas-y faites-le. Mm-hmm. Le personnel était hyper gentil, c'était hyper bon et c'était hyper copieux. Enfin, tu sais, genre, ouais. On avait vraiment beaucoup. T'en avais, enfin, franchement, c'était pas si cher que ça et genre, t'avais les quantités de ouf. Ah ouais, ils acceptent les chiens. Eh, c'est fou! Tous les restaurants savoyards. Non, tous les restaurants ici, là. La notre station. À Valseny, ils acceptent tous les chiens. Moi, ça me choque. Enfin, je trouve ça trop cool. Je me dis, si je viens avec Molly, bah je peux rentrer avec elle, quoi. T'as un nœud dans tes cheveux. Oh non. Bah, rip. Ah ouais? Ah, fais-le moi, Mimo, s'il te plaît. Il est où? Mais c'est pas grave. Mon séjour s'achève, là. Je rentre à Paris. Donc, dites au revoir à Mimo, Apollo. Mimo! C'est quoi votre soupe préférée? On dit au revoir. Waouh, t'as préparé ça trop bien, Pauline. Tu vois? T'es adorable. Regarde là. Genre, je peux dire juste au revoir. Comme... J'ai dire comme dirait Mimo. Comme d'habitude, positivité, joie de vivre, bonne humeur. Et comme dirait Mimo, gratitude. Je vous fais plein de gros bisous. Love you. Il y a encore une barre.